Je suis ravi de vous accueillir sur la ferme de la Nauvert. On est à Champsecret. Je suis Patrick Mercier, donc producteur du camembert de Normandie. Enchanté. Du Champsecret. Enchanté. Alors ici, on produit le lait depuis environ 4 générations. Et en fait, moi, j'avais regardé... je suis éleveur depuis tout petit avec mon père. Et en fait, j'ai vu ce camembert qui se perdait un peu, donc on a décidé de le refaire ici. Ça fait 9 ans qu'on fabrique le camembert sur la ferme. Donc avec 4 signes officiels de qualité, fermier, AOP, bio et STG lait de foin, ce qui garantit qu'il n'y a pas du tout d'ensilage et aussi pas de déchets en même temps, voilà, sur la ferme. Alors ce qu'on peut dire sur la fabrication du camembert, en fait, c'est que bien sûr, c'est la recette traditionnelle. Donc c'est vaches normandes dans les prés, le moulage à la louche, le lait cru. C'est les 4 arguments fondamentaux de l'appellation d'origine. Ils sont indissociables. L'appellation d'origine, c'est bien plus que ça. C'est 63 pages de plan de contrôle, mais on va dire les 4 arguments principaux, c'est cela. Il y a 2 techniques pour faire du fromage. La technique présure, voilà, ou la technique lactique. Et en bon normand que nous sommes, nous n'avons pas choisi, si bien que, en fait, c'est le milieu. C'est mi-lactique, mi-présure. C'est un des seuls fromages mi-lactique, mi-présure. Alors, c'est le seul à croûte fleurie, ce qui met une difficulté dans la réalisation phénoménale. Ça sent comme un peu l'odeur de pomme, c'est entre l'acide et le sucré. Et donc, voilà, les fromages qui sont les plus jeunes, les fromages qui sont les plus âgés dans cette salle, en général, ils restent un peu moins d'une semaine. Et chacun, en fait, va faire un petit tour, un petit train. On s'est aperçu que si on prend un thermomètre ici et qu'on le met dans différents endroits, on n'a pas exactement le même terrain. Pour donner les mêmes chances au fromage, on les fait tourner comme un petit train. Ils arrivent sur la gauche et ils ressortent. Ça marche vraiment. Et ici, en fait, on va baisser, on est à 12 degrés. En fait, là-bas, c'est un phénomène de levuration pour attaquer l'acidité. L'acidité, elle nous a permis la rétractation de la matière, l'égouttage. Alors la ferme, écologiquement, on essaie de faire aussi. On a le stock de bois. Aujourd'hui, la ferme est en bio. Aujourd'hui, la ferme est en temps d'agriculture biologique alors que j'ai été formé pour autre chose. Donc c'est un avantage, c'est qu'on a l'obligation d'avoir 100 mètres de haie par hectare. Les haies, en fait, c'est le carburant de la ferme. Ça nous permet de toute la climatisation de la fromagerie. Donc c'est très écologique. Voilà, le tas de bois qui est là, en fait, il vient des haies de la ferme. D'accord. Et on a un coût énergétique par camembert qui est extrêmement faible, parce qu'on a trouvé des solutions qui se rapprochent de mon grand-père, entre guillemets. La qualité du foin, c'est fondamental. Si on a du mauvais foin, on sera obligé de donner des céréales, puisque le foin ne sera pas suffisamment riche. Donc en ce moment, on donne de l'herbe qui reste dans les champs. Et donc ici, il y a 110-115 vaches en ce moment. Ça, c'est de l'herbe qui a 4 ou 5 semaines. D'accord. Donc, quand je disais de l'herbe à vache, c'est de l'herbe suffisamment riche, bien verte, tout ça, mais en fait suffisamment développée. Comment vous arrivez en fait à faire sur autant d'hectares attention à cette repousse de trèfle pour... c'est du savoir-faire. Hein. Ouais. Quand on est dans un champ, là, en fait, on va déplacer, on leur met à manger pendant 2 jours, puis on met un fil derrière et on les déplace. Voilà. Alors, on a du foin séché en grange, c'est-à-dire qu'on le sèche un peu dehors. C'est la méthode de mon grand-père, c'est du foin en vrac, il n'est pas mis en botte, donc pas de déchets, pas de ficelles, pas de bâches, rien du tout. Et on a cette qualité du foin qu'avait mon grand-père. Mon père poussait toujours les vaches, et ça c'est une amélioration, entre guillemets, maintenant on travaille avec leur consentement, c'est-à-dire qu'on les appelle. D'accord. Et ça change tout. En salle de traite, tout ça, avant on poussait les vaches, on les mettait dans la salle de traite. Maintenant on les appelle, elles viennent toutes, les 120 là. Ce matin on n'est pas allé en chercher une. J'en appelle pas une pareille. Ouais, d'accord. L'intonation, enfin, ouais. Voilà. Ça... Allez ! Chut ! Allez, allez ! Allez ! Donc là, elles vont aller dans les prairies. Comme je vous ai expliqué, en fait, on souhaite vraiment qu'elles se couchent le minimum de temps ici. Parce qu'on ne va pas réussir à avoir la même propreté des mamelles, mais aussi la même imprégnation du terroir,
La meilleure façon pour une vache de s'imprégner de son terroir, c'est de se coucher dans l'herbe. Le lait cru tel qu'on le pratique nous, c'est pas l'absence de bactéries pathogènes pour l'absence de bactéries pathogènes. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, mais on souhaite le maximum de bonnes bactéries pour être capable de faire le fromage sans rien ajouter. On leur donne vraiment le minimum de céréales, alors que moi j'avais appris à l'école à faire le contraire. J'avais appris à donner aux vaches pratiquement que des céréales. Les matières grasses qui sont comprises dans le lait, donc dans le fromage, qui vont être le support du goût, vont être bien meilleures si les vaches sont nourries à l'herbe. Voilà. Bien meilleures pour le goût, mais pas que. En fait, c'est le point de fusion des matières grasses quand elles sont produites avec l'herbe très jeune est beaucoup plus bas. Donc pour notre santé, ben, on risque pas l'encrassement des tuyaux, pour faire simple. C'est le point de fusion. Hein. Plus elles sont nourries avec des céréales, et plus le point de fusion est haut, donc plus c'est gênant pour nous. En fait, c'est bien plus efficace que de les pousser. Hein. C'est là, après, il faut gagner la confiance. Donc, il y a l'intonation de la voix que j'ai. Voilà, bah. Ouais, c'est ça. Donc, suffisamment d'espace pour que les pies soient propres en arrivant à la traite, en fait. Le travail de nettoyage des pies doit être simplifié le plus possible. Alors, ça commence par la propreté des chemins. Hein. Si vous arrivez avec de la boue comme ça dans les chemins, bah, en fait, elles vont avoir les pattes toutes sales, donc le pie, pas mieux. Et puis après, en fait, bah, c'est la qualité du couchage. Plus vous avez de surface, plus vous pouvez jouer sur la qualité de l'herbe, mais en même temps, plus vos vaches vont être propres. Et pour moi, les meilleurs fromages, on arrive à les faire l'hiver. Ça ne veut pas dire que le lait, c'est là qu'il est le meilleur. Mais ça veut dire que l'addition du bon lait et de notre savoir-faire maîtrisé, puisqu'elles ont du foin tous les jours et que c'est le même foin tous les jours. Donc en fait, l'addition des deux, ça fait qu'on arrive, pour moi, les meilleurs fromages, on les a l'hiver. Parce qu'en fait, on arrive bien à maîtriser les deux.